Et bien salut à tous la Team Zen, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, il est question de boutique, d'objets. Et comme vous pouvez le voir déjà tout de suite en image d'actu, il y a des skins tout neufs, tout frais. Alors on va voir ça tout de suite, comme d'habitude les gars. N'oubliez pas le petit code créateur Telmo-Lopez dans la boutique. Il faut le relancer puisqu'il s'enlève les gars, donc faites attention de bien le remettre si vous voulez continuer à me soutenir. Merci à vous. On passe donc tout de suite aux objets à la une. Il y a deux nouveaux skins, des nouvelles pioches, des nouveaux planeurs. Et là, on commence par Tezcalt. Alors, ceux qui croient son regard le regrettent amèrement. Fait partie de l'ensemble armée solaire. À moi, je l'adore ce skin. C'est un truc que j'avais déjà vu en image sur le net. Et je sais pas pourquoi, alors me demandez pas, mais je l'adore beaucoup. Alors, c'est un truc que par rapport au fait des couleurs, là même le petit sac à dos qui n'y a rien de spécial, et ben je l'aime bien. Et en plus il coûte que 1200 V-Bucks. C'est un truc à acheter si vous voulez faire partie de ces Aztèques et de ces Mayas et tout ça, de ces Incas qu'on voit actuellement dans le jeu. On passe à la version féminine, si brillante qu'elle en éclipse le soleil, fait partie de l'ensemble armée solaire. Il y a des styles au choix, sans masque et avec masque. Et perso, moi j'adore avec le masque, puisque nous avons les ailes aussi qui vont avec. Et du coup les gars, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je sais que certains vont me dire qu'ils n'aiment pas trop, ou certains me diront oh, j'ai trop envie mais j'ai pas les V-Bucks. Mais les gars, il faut savoir comment dire, faut savoir prendre le truc au bon moment. Donc c'est le bon moment de mettre à contribution vos petits V-Bucks et de me dire en commentaire, alors, si oui ou non vous prendriez l'un des deux skins, et si oui ou non, lequel, puisque j'ai envie de savoir faire un peu des statistiques en interne sur les commentaires de qui a pris quoi et qui prendrait quoi, pour savoir un peu le style que vous aimez le plus, les gars. Donc dites-moi ça en commentaire. Ensuite, les planeurs qui vont avec. Alors, c'est le planeur icône solaire à portée l'aube. Eh bien, lui va avec les deux skins, forcément. Pour 800 V-Bucks, pas trop cher, assez stylé, je vous le redéploie. Donc voilà pour vous le petit planeur 800 V-Bucks, assez cher, mais bon, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a jamais vu, donc je peux comprendre qu'ils le mettent à ce prix-là. On enchaîne avec l'Aztec, et bien un petit jeu de mots avec Aztec, c'est l'outil de collecte, un cadeau au fond des âges. Fait partie de l'ensemble armée solaire, donc pareil. Et lui, alors là, ils sont complètement craqués, je vais vous faire écouter le bruit. Voilà, ils ont 800 V-Bucks pour un objet atypique. C'est exactement le même prix que le planeur, et c'est un objet atypique. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis à ce prix là, mais en tout cas je trouve ça assez chéros quand même. Donc voilà pour les trois objets à la une, dont les nouveaux skins, nouvelles pioches, nouveaux planeurs. On a ensuite l'objet du jour, le plus je pense stylé, c'est Tiger, qui lui fait son grand retour après je ne sais pas combien de mois de, je veux dire, d'absence. Et sa devise, plein tag. Alors fait partie de l'ensemble gang de l'aérosol. Et on a son sac à dos hyper stylé avec le masque, les bonbonnes de Graf, avec un petit masque de rechange forcément. Et moi ce que j'aime bien, c'est que forcément ça me fait penser, comme je vous disais déjà il y a certains jours, ça me fait penser à un agent de division avec des trucs qui ont rien à voir avec Fortnite. Chose que j'adore quand ils mettent des skins super stylés qui n'ont pas forcément à voir avec le manga ou quoi. Je trouve ça super stylé. 1500 V-Bucks, pourquoi pas, vu que c'est un skin bien travaillé, plein de couleurs, plein de trucs, l'aérosol sur le sac à dos bien dessiné et tout ça. Faites-vous plaisir, je le trouve super stylé les gars. Ensuite, le deuxième objet du jour le plus stylé sera forcément cet habit-là féminin qui s'appelle Voltigeuse. Donc en skin, toujours plus à l'aise, la tête à l'envers. Ça doit être, je pense, une ancienne pilote d'avion, peut-être à l'ancienne. Toujours plus à l'aise, donc ça, je l'ai dit. Fait partie de l'ensemble As du manche. Donc du coup, je pense que ça doit être comme un aviateur, mais de l'armée un peu plus ancienne. Vous voyez, ces habits un peu plus à l'ancienne. Mais je pense qu'il est super stylé. 1200 VX, pas trop cher. C'est un nouveau skin. Quoi dire à part de vous faire plaisir, tout simplement. Faites-vous plaisir, achetez-le si vous en avez envie. En plus, c'est dans le délire un peu style mélangé actuellement sur Fortnite. Donc, si vous avez envie, ne vous privez pas. On passe à l'outil de collecte Noctambule, un outil trop chouette.
Ça fait partie de l'ensemble évadé de prison, une fois de plus, donc 3 jours de suite qu'il y a les évadés de prison. Il y a d'abord le skin, ensuite il y a eu hier le planeur, si je me trompe pas, et aujourd'hui il y a l'outil de collecte pour 800 V-Bucks. Donc les gars, je vais vous faire écouter le bruit. Donc voilà, donc c'est une pioche issue de cet ensemble-là. Si vous avez l'ensemble à compléter, faites-vous plaisir. Il est là pour 800 V-Bucks, donc ne l'oubliez pas. Ensuite, nous avons Bolide, enflammer les nuages avec le planeur Bolide et son crâne hurleur. Alors du coup, c'est un planeur qui revient assez souvent, une fois par mois au moins, et qui fait partie d'aucun ensemble. C'est juste vraiment pour le style de son petit crâne qui est dessiné dessus. Si quelqu'un est sur vous, je pense que ça peut être super stylé. Et en plus, 500 V-Bucks, c'est extrêmement peu cher pour un planeur. Donc si vous n'avez pas d'autres moyens d'acheter un planeur, faites-vous plaisir avec celui-là, vu qu'il est quasi introuvable, à part une fois par mois dans la boutique, les gars. Donc faites-vous plaisir. On passe du coup aux deux derniers objets qui sont des émotes, donc on n'a plus de billets. Lui, ça faisait assez longtemps que je le voyais pas. Peut-être 2-3 mois. Donc pour 500 V-Bucks, pourquoi pas. S'il est sorti, si je me trompe pas, à la saison 2 ou 3. Et... c'est quelque chose d'assez old school, donc pourquoi pas vous faire plaisir. 500 V-Bucks, pas trop cher. En plus, ça, y a quand même un petit swag, donc pourquoi pas. Et pour finir, il n'y a pas le temps. Donc ça, ce que j'aime bien, c'est que c'est un emote qui m'a déjà fait marrer sur plein de vidéos. Il y avait même des vidéos où Ninja, il était en fight avec toute sa team contre un mec qui a commencé à dessiner des trucs avec des construits. Et qui a mis cet émote là, et du coup Ninja il dit attendez, attendez, le tuez pas, il nous a dit d'attendre, et le mec au final il dessinait des trucs et tout ça avec cet émote, et c'était super stylé. Il y a plein de choses à faire avec cet émote, donc faites-vous plaisir, ça peut être super marrant. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait en boutique, les gars, d'objets. Et ensuite n'oubliez pas, Cobalt est encore là, je sais pas pour combien de temps, je pense que bientôt le skin PS4 va faire son apparition, le skin Xbox, tous les skins voilà, de chaque saison vont finir par arriver, et Cobalt va devoir faire un petit tour, donc empressez-vous de l'acheter si vous l'avez pas encore fait. Je vous répète le petit code créateur Telmo-Lopez en boutique. D'objets pour me soutenir, remettez-le si vous l'avez parmi, parce qu'il s'enlève automatiquement tous les 14 jours. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel a été votre skin, votre pioche ou votre planeur préféré de cette nouvelle boutique du jour. Et en tout cas les gars, le plus important comme d'hab, c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller regarder tous les défis de cette nouvelle semaine 2 sur ma chaîne, sur la playlist défi saison 8. Donc je vous laisse, je vous dis à demain ou à tout à l'heure. Salut tout le monde.